Et salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo test de Call of Duty Ghost sur PS4. Vous êtes sur consolefun.fr et donc sans plus attendre, je vais vous expliquer comment on va procéder. Je vais faire donc une vidéo en deux parties, comme pour ma première sur PS3, parce que comme vous pouvez le voir en bas, vous voyez le nombre de joueurs qu'il y a connectés, on est 37 633. Dans les meilleurs jours, on est à peu près 45 000. Voilà, c'est sur PS4, il y a les ruptures de PS4 en Europe, etc. Donc pas beaucoup non plus d'achats de Ghost. Et puis au Japon, la PS4 ne sortira, je vous le rappelle, que le 22 février. Donc du coup, pas encore beaucoup de joueurs. Dans les meilleurs jours, on est, ouais, voilà, on est cap. Allez, je crois que le plus haut que j'ai pu voir, c'était 48 000. 48 000 joueurs on était. Donc du coup, une communauté assez basse. Donc encore de légers bugs, surtout en fait pour trouver un lobby et rejoindre une partie. Donc voilà, je scindrai ma vidéo en deux, je vais juste vous montrer le menu, vous expliquer 2-3 petites nouveautés, les détails, vous montrer les graphismes bien sûr d'un Call of Duty 1080p Full HD 60 images secondes, et franchement ça se voit. À savoir que vous savez très bien que je suis un pro Sony, mais bon, là ce n'est pas du tout pour dire du mal de Microsoft, d'ailleurs j'ai toujours respecté tout ce qui était les jeux vidéo, peu importe chez la concurrence. J'ai, enfin pour ma part, les anciennes consoles next-gen, j'avais les deux, et pour moi les deux étaient très très bien dans leur domaine. Sauf que un Call of Duty Ghost sur X1 ne tournera qu'à 720p, qu'en 720p 30 images secondes, alors que, enfin 30 images ou 60? Non, je crois qu'en 720 on peut faire que du 30 images secondes. Alors que sur PS4 il sera en 1080p 60 images secondes, comme vous allez pouvoir le voir. Du coup, voilà, si vous voulez voir vraiment question graphique ce que peut donner un Call of, regardez des tests sur PS4. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Sans plus attendre, je vais vous le montrer. Hein, donc, vous pouvez toujours créer les personnages. Voilà, c'est vraiment uniquement le graphisme qui a été rajouté. Puis 2-3 nouveautés dont je vous citerai. Vous pouvez voir déjà le contraste de luminosité sur le personnage. Voilà, la lumière qui se reflète, les détails de l'arme, par exemple, on voit vraiment le contraste, la luminosité, la réflexion de la lumière dessus, c'est vraiment super bien fait, je trouve. Moi, c'est le premier truc qu'on remarque. Voilà, si vous avez Ghost, bien sûr, c'est un détail que vous allez remarquer de suite. Pour ce qui est des atouts, tout ça, des killstreaks, ça n'a absolument pas changé, c'est toujours le même menu, 8 points d'atouts à se répartir, vous créez le type de joueur que vous êtes, comme je vous ai dit, c'est vraiment un Call of qui a été très orienté sur un mix BF Call of Duty, donc on se retrouve plutôt avec des maps entre catégories moyennes et grandes, il n'y a qu'une seule petite map que j'ai pu retenir à ce jour, je crois qu'il n'y a que Strike Zone qui est une map assez petite, donc voilà, ça risque de décevoir pas mal de joueurs arcade, d'où un petit peu le... Enfin, il a eu son succès, mais... Pas tant que tous les autres Call of. Et pourtant, je trouve ça bien dommage parce que pour moi, c'est un excellent Call of Duty. À savoir que maintenant, beaucoup de jeux ont été mis par exemple avec un mode 18 joueurs. Voilà, maintenant on peut jouer jusqu'à 18 joueurs dans les maps, donc à se faire du guerre de territoire en 9-9 dans plusieurs zones, c'est plutôt sympathique. Des sons ont été rajoutés beaucoup plus audibles quand vous serez par exemple dans des maisons, vous allez entendre l'écho des balles, alors que quand vous serez plus loin, vous allez entendre l'écho de la balle, enfin c'est qui va se répandre, qui occupera toute la zone dans laquelle vous avez tiré. C'est vraiment super sympa, les bruits de pas qui changent en fonction, c'est plus toujours les mêmes pas, la même linéarité dans tout ce qui est la gestuelle, etc. Légèrement plus fluide, je trouve. À parler de fluidité, sachez que c'est le tout premier Call of qui atteint maintenant la sensibilité 20. Donc déjà, je comprends même pas comment les gens peuvent jouer avec du 10 ou du 15 comme dans les anciens. Parce que moi, voilà, moi c'est toujours le truc basique, j'ai toujours été à 2 ou 3. Puis voilà, je comprends pas comment les gens peuvent y arriver, quoi. C'est abusé. Moi, ça me fait mal à la tête. Donc voilà, c'était le petit point voilà qui ont été rajoutés. De toute façon, le mieux pour que vous puissiez le voir, je vous commenterai bien sûr la seconde partie de ma vidéo. Comme je vous ai dit, 2-3 bugs pour surtout rejoindre des lobbies comme dans celui de PS3 au début à sa sortie. Donc je coupe ma vidéo en deux. On se retrouvera de suite pour une partie. Donc voilà. Oui, je pense avoir tout dit. De toute façon, oui. Voilà, comme je vous dis, le mieux pour que vous puissiez le voir, c'est une partie. Donc passons un peu au cas pratique quoi. Je vais lancer donc une partie. Je vous dis donc à de suite. Ne quittez pas, restez avec moi. Et re tout le monde. Bon, alors comme je vous ai dit, deuxième partie de la vidéo. Je voulais faire d'abord une précision. Bon déjà on voit que c'est voilà.
Ghost en 1080p Full HD 60 images secondes, déjà on voit les contrastes, la luminosité, c'est vachement plus détaillé comme vous pouvez le voir quand même. C'est bien plus sympa. Après, voilà, comme je vous ai dit, en fait, je vais reparler du coup brèvement de Call of, même si je l'avais fait dans ma première vidéo sur Play 3. Je sais que voilà, beaucoup d'entre vous hésitent. Ouf, oh la double. Beaucoup d'entre vous hésitent encore à acheter Ghost, en fait. Donc, il faut savoir déjà à la base qu'il a vraiment été fait de version à ce que, comment dire. C'est un mélange, on va dire, de BF et Call of. Voilà, les maps sont devenues légèrement plus grandes. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous aiment Call of pour les maps petites. Je cite par exemple les plus connues comme Rust sur MW2 ou enfin, voilà, c'est la première qui m'est venue en tête. Après, voilà, moi je parle surtout après en maps petites. Je parlais bien sûr des fameuses maps de Call of Duty 4 telles que Libra et j'en passe. C'est voilà, beaucoup d'entre vous aiment les petites maps. Il y en a, ben, à ma connaissance, il n'y en a plus qu'une sur celui-là. Il s'agit de Strike Zone. Et puis après, j'en ai plus d'autres qui me viennent en tête. Les maps sont plutôt de catégorie entre moyenne et grande. Donc voilà, on trouve un petit peu du BF dessus. Pour ceux qui aimaient jouer en hardcore, vous voyez que je suis en simple, comme je vous ai dit. Je lance un MM simple. Et il suffit de à peine 3 balles pour tuer la personne, mais pour n'importe quelle arme. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être en fonction, voilà, vous allez, en fonction de votre type de jeu, vraiment, en face-to-face, c'est vraiment celui qui va vraiment gérer le mieux à Call of, bah, qui va y arriver, quoi, en fait, voilà. Comme je vous avais dit précédemment dans mon autre vidéo de Call of, le bon rusher avec une bonne arme. Genre le mec qui tâtait sur MW2 à la UMP45, mais voilà le rusher de base pouvait arriver à se faire 9 gars sur une même ligne droite, hein, et s'en sortir indemne. Là, je vous jure, dans ce jeu, un 1vs2, c'est limite impossible. C'est vraiment celui qui va avoir le plus de technique, le plus de tact, qui va savoir un petit peu analyser la situation pour justement en tirer la meilleure partie et pouvoir du coup se sortir de toute situation. Donc je vous dis, un 1v2 c'est limite impossible maintenant dans Ghost. Donc franchement, il va falloir vous le gagner votre frag. Et moi je trouve quand même que c'est un bon point en fait de Ghost en fait. Et donc c'est moi pour moi franchement il surpasse un peu les Black Ops déjà. De toute façon, vous savez très bien que moi je suis pas du tout Treyarch. Donc du coup c'est moi pour moi c'est pas possible. À savoir que sur Play 4, les modes de jeu, vous pouvez avoir certains modes de jeu en jouant jusqu'à 18 joueurs maintenant et non 12. Donc voilà, les équipes ne sont plus formées que de 6 joueurs. Mais maintenant, vous pouvez monter jusqu'à 18 joueurs au total. Ce qui est plutôt sympathique, quoi. Voilà, on se croirait dans une guerre de territoire pour quasiment n'importe quel mode. Putain, je pensais pas le tuer avec si peu de balles, j'ai essayé d'être précis sur le coup, mais bon, ouais. De toute façon, il a dû avoir l'assistance l'autre parce qu'il avait quasiment plus de vie. Après, je le trouve vachement plus complet, enfin, il est beaucoup plus. Comment dire? Il est beaucoup plus personnalisable, quoi. Voilà. Vous créez le type de joueur que vous voulez être, je vous l'ai expliqué pour les atouts. Vous voulez. Voilà, c'est vraiment. On parle vraiment de tout ça, quoi. Je savais que ça allait être dans mon dos, ça. Voilà, après, bon, bien sûr, voilà. Si on prend mon exemple, voilà, vous touchez quelqu'un dans le dos, vous êtes sûr de le tuer. Bon, bien sûr, ça change pas des autres Call of, mais putain, il est encore là-bas, lui, bordel. Non, mais voilà, un face-to-face, voilà, vous pouvez vous prétendre. Toi, t'es un peu stressé, mec. Vous pouvez vous prétendre de. Ben, d'essayer de maintenir, mais là voilà, ça fait 3 fois comme tu dans le dos, là. Fait yesh, quoi. Quand je veux du face to face, j'en voudrais là, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, voilà, c'est bon. Non, mais après, voilà, je le trouve bien plus technique. J'ai eu la grenade qui a failli me rebondir dans la gueule. Vous savez très bien que quand jette une grenade, bah, sur un allié, bah, elle va vous rebondir, c'est comme si c'était un mur. Sauf que lui, bah, ça lui fait rien et vous prenez les dégâts, sympa. Je t'avais vu. Putain, moi si on m'enlève le radar, j'ai tellement joué en mode simple, d'ailleurs le hardcore j'aime pas du tout, mais là voilà, on a du simple, mais avec de la difficulté hardcore. Donc c'est un bon mix franchement, parce que c'est la seule chose que j'aimais bien dans le hardcore, c'est vraiment vous gagnez votre frag en si peu de balles, quoi, c'est sympa. Mais moi on m'enlève la carte, moi je suis perdu, hein. Toutes les 3 secondes, faut que je regarde. Au moins là j'ai le chien, parfait.
Oui, voilà, de toute façon les satellites, on peut les tuer, ça vous compte un frag, c'est génial. Mais bon, ça va pas me servir à grand chose vu qu'on arrive à la fin de la partie. Après, comme vous avez pu le voir peut-être dans ma vidéo de contraste, il y a des problèmes de pixels à cause de mon HD PVR maintenant. Avec le recorder, quand l'image reste fixe, il y a des pixels qui se forment à la base de l'image, j'en suis navré. Vous allez peut-être sûrement en voir, bon, moi je le vois pas actuellement, mais bon, quand ça va synchro, ça va sûrement se faire, mais bon, voilà, c'est un petit peu chiant. Si, si, ben justement, si, je le vois à côté. Ça, c'est un peu dommage, putain, il va falloir vraiment que la mise à jour de la Play 4 ben, enlève cette merde, quoi, parce que maintenant j'ai le bas de mes vidéos des fois qui bug quand ça reste fixe. Enfin bon, eh bien écoutez, j'espère pour vous tous que ma vidéo de Code Ghost vous aura plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt et à ciao tout le monde!